Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de la septième saison des figures marquantes de notre histoire. Alors, déjà 7 ans et demi que nous avons ce type d'entretien ici, dans cette salle, devant vous. Cette septième saison sera consacrée aux figures marquantes de la solidarité. Cette vertu, la solidarité, a été très importante dans l'histoire du peuple québécois. Elle nous a permis de passer à travers de difficiles épreuves et de construire un modèle de société assez unique en Amérique du Nord. Cette valeur de la solidarité, nous l'avons pratiquée dès la Nouvelle-France, avec cette corvée, dans le cadre du régime seigneurial, où il fallait que les habitants aillent donner un petit coup de main à leurs voisins et à ceux de leur seigneurie pour aménager un chemin ou assurer la réfection du moulin. Elle s'est réincarnée plus tard avec tout ce grand mouvement de coopération au tournant du 20e siècle qui a été si important au plan financier et bancaire avec le mouvement des Jardins, mais qui a été aussi très important en région avec toutes ces coopératives de pêche, de pêcheurs. Et cette tradition de solidarité s'est poursuivie et elle explique en partie la vitalité de l'économie sociale au Québec. Elle explique l'engagement dans le milieu associatif, le bénévolat. Elle explique aussi l'engagement syndical. Le Québec est l'une des sociétés les plus syndiquées en Occident. Elle explique aussi les choix que nous avons faits durant la Révolution tranquille, des choix sociaux qui nous ont permis de développer un modèle québécois, comme on l'appelle souvent. Alors, donc, cette valeur a traversé notre histoire et donc on a jugé intéressant de nous pencher sur 8 personnages de différentes époques, de différents milieux, qui ont contribué à cette solidarité au Québec par leur action politique, sociale, intellectuelle. Alors, le premier que nous avons retenu, c'est un personnage qui n'a pas vécu très longtemps. Il est né en 1838 à Montréal. C'est le fils d'un patriote exilé qui s'est retrouvé en Australie. On y reviendra. Et donc, les patriotes ont marqué son enfance et son imaginaire et sûrement ses convictions politiques. Et qui est mort à Montréal en 1877, Médéric Langteau, donc, qui compte 2 grands faits d'armes dans sa vie, mais nous allons passer un peu plus de temps, mais je vous les rappelle très brièvement. Le premier grand fait d'armes, c'était d'abord un journaliste, un polémiste, qui fonde en 1864 un journal dont le titre va avoir des échos dans notre histoire, l'Union nationale. Il fonde ce journal en 1864 et ce sera un journal de combat contre la Confédération, dont le projet de fédération des colonies britanniques en Amérique du Nord. Et il va mener ce combat jusqu'en 1867, notamment en se présentant aux élections contre Georges-Étienne Cartier dans Montréal-Est. Son autre grand fait d'armes, c'est d'avoir créé une grande association ouvrière. C'est un pionnier du mouvement syndical et du mouvement ouvrier, Médéric Langteau. Ça, c'est assez peu connu. Donc, il va fédérer les ouvriers. Il existait des associations ouvrières. Le Québec et le Canada étaient dans leur premier balbutiement de l'ère industrielle, mais il va quand même réussir à fédérer ces petites associations de boulangers, de maçons et autres dans une grande association pour la protection des ouvriers au Canada. Et cette grande association va organiser une manifestation qui a marqué les contemporains de Médéric Langteau. 8000 ouvriers vont manifester à Montréal le 10 juin 1867. C'est incroyable quand on y pense. C'était bien avant presque la fête des travailleurs. Alors donc, pour nous parler de ce personnage qui a eu plusieurs vies en une, une vie extrêmement intense, peut-être pour ça qu'il est mort à 38 ans, alors, pour nous parler de lui, nous avons invité, donc, on l'a dit, un bibliothécaire de carrière qui connaît bien cette institution puisqu'il a travaillé à BANQ, mais qui est maintenant à l'Université de Montréal. Mais si on l'a invité, c'est en tant qu'écrivain, puisqu'en 2021, il nous a proposé son premier roman, « Ceux dont on ne redoute rien », qui a été publié chez Québec-Amérique. C'est une intrigue autour de la visite d'Alexis de Tocqueville, célèbre visite de 1831. Donc, l'intrigue tourne autour de ça, mais un des personnages centraux de son roman, eh bien, est nul autre que Médéric Langteau. Donc, il a permis à ses lecteurs de le découvrir ou de le redécouvrir. Donc, il me fait vraiment plaisir d'accueillir pour vous M. Mathieu Thomas. Alors, enfin, on se serre la main. Post-pandémie, bienvenue Mathieu Thomas.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, comme je le disais, on vous a invité, pas en tant que bibliothécaire, bien que, comme bibliothécaire, vous savez sûrement beaucoup de choses, mais on vous a invité surtout comme auteur, comme écrivain, auteur de ce roman qui a bien marché, qui est un très bon roman, qui est passionnant, « Ceux dont on ne redoute rien ». Et première question qui s'impose à moi, comment vous est venue cette idée? Alors, je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais on va pas vous révéler le punch, là, il faut aller l'acheter, il faut le lire, mais ça se passe à la fois au présent, en gros, durant 2012, là, les manifestations étudiantes de 2012, et ça se passe durant les années 1860, et c'est pour ça que vous parlez. Alors, comment ça vous est venu, cette idée d'écrire un roman autour de cette visite d'Alexis de Tocqueville? Alors, donc, j'avais lu les écrits donc, de Tocqueville qui parlent de sa visite au Bas-Canada. Donc, il faut se rappeler qu'en 1831, il est venu en Amérique du Nord avec son ami Gustave de Beaumont et ils ont fait un long voyage aux États-Unis. Et ce voyage-là a mené à la rédaction du fameux livre de Tocqueville, là, de la démocratie en Amérique. Mais durant ce voyage-là, ils ont eu une petite escapade de 10 jours environ dans la vallée du Saint-Laurent. Et donc, ces écrits-là, donc ça discute de cette petite escapade, de ce petit voyage qu'ils ont fait. Et moi, ce qui m'a un peu frappé quand j'ai lu ces textes, c'est que je me disais, bien, et comme beaucoup d'autres gens d'ailleurs, c'est qu'en 1831, bien, c'est quelques années avant les rébellions, ça aurait été intéressant qu'ils rencontrent Papineau. Alors, beaucoup de gens se sont dit, ça serait quelle rencontre manquée, finalement. Ben oui, un rendez-vous manqué. Voilà. Alors et dans le roman, j'imagine que peut-être ils se seraient rencontrés. Oui. Okay? Mais je ne voulais pas que ce roman se passe à l'époque, donc en 1831. J'imaginais plus une espèce de mystère, une recherche de la vérité, une petite enquête. Et donc, voilà, après ça, l'idée est venue de faire une histoire qui se passe à deux époques. C'est aussi une façon de montrer qu'il y a des échos, hein, des hoquets parfois dans l'histoire québécoise, ouais. Des choses qui se répètent. Alors, donc 2011-2012, la période du printemps érable, et la période donc, avant la Confédération, 1864-65, parce que je mets aussi Gustave de Beaumont en scène, et il est encore vivant à cette époque-là. Et là, après ça, ça s'est développé, et là, ben, là Médéric Langteau est venu dans l'histoire. Ben justement, Médéric Langteau, je vous avoue, j'avais une connaissance un peu approximative de ce personnage, comme ceux qui s'intéressent à l'histoire des années 1860, je savais vaguement qu'il était contre la Confédération, mais en lisant votre roman, on a envie d'en savoir plus sur ce personnage, et je pense que ça a d'ailleurs inspiré la rencontre de ce soir, parce qu'on était plusieurs sur le comité qui avait lu votre roman, et on avait beaucoup apprécié. Mais est-ce que vous le connaissiez, Médéric Langteau, avant de vous lancer dans l'écriture de ce roman, et qu'est-ce que vous connaissiez de lui, et pourquoi vous avez décidé de lui accorder cette importance? Bien, je le connaissais très peu. J'avais déjà lu sur lui, j'avais lu un bouquin là, sur l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme québécois, donc qui parlait d'un peu des précurseurs de cette idée-là. Et on parlait de lui, puis il me semblait quand même intéressant comme personnage, un peu plus grand que nature, un peu bouillant. Et donc, après ça, en développant le roman, en me disant, ben oui, je veux parler de l'effervescence du printemps érable, je trouvais qu'il y avait un effet de miroir intéressant avec tout ce qui s'est passé donc avant que la Confédération soit adoptée, toute cette campagne anti-Confédération, qui était d'ailleurs, à mon avis, assez oubliée. Je me rappelle de mes années au secondaire, à l'école secondaire, on ne m'a pas vraiment parlé là, du fait qu'il y avait une opposition à la Confédération. Donc, je trouvais ça hyper intéressant de faire une espèce de jeu de miroir entre les deux époques. Et après ça, en lisant un peu plus sur la question, Médéric Langteau est tellement un personnage intéressant que j'en ai fait un personnage, on va dire, assez important du roman, assez présent. Un personnage qu'on connaît parce qu'il a écrit dans les journaux, et d'ailleurs, vous le disiez dans votre note de recherche, qui signait, je crois, ses articles, c'est rarement le cas au 19e siècle. Hein? Voilà, pour l'époque, c'est assez rare. Assez rare que les gens signaient. Oui. Voilà, les textes n'étaient pas signés, c'était la vision du journal, et d'ailleurs, ça, c'est encore présent dans beaucoup de journaux anglophones, hein, américains, anglo-américains, on ne signe pas les éditoriaux souvent. Mais dans son cas, très rapidement, il a pris l'habitude de signer ses textes, peu importe le journal dans lequel il écrivait, d'ailleurs, même dans ses premières expériences dans les journaux dont on va parler tout à l'heure. Alors, on peut, même si on n'a pas vraiment accès à ses papiers personnels. Ben justement, vous dites qu'ils ont disparu, on ne sait pas trop où ils sont. Ils ont été perdus, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on a un corpus extrêmement riche de ses textes qui est fait paraître dans les journaux à travers les années, on a vraiment une idée très intéressante, là, une idée assez précise de l'évolution de sa pensée, au gré des changements de régime et bon, des choses qui ont pu se passer dans l'histoire. Donc, et là, il parle de
d'une foule de sujets différents. Là. Je veux dire, il ne parle pas que du Bas-Canada, que de politique. Il parle d'une foule de sujets. Il est très informé. Il a beaucoup lu. Et il n'a pas peur de donner son opinion. On va le dire comme ça. Ah oui, ça c'est clair. Une des clés pour comprendre la pensée et l'action de Médéric Langteau, c'est de comprendre qui était son père, Hippolyte Langteau. Alors, parlez-nous de ce personnage et de son importance pour Médéric Langteau. Alors, Hippolyte Langteau, vous l'avez dit en introduction, c'était un patriote. Donc, il participait à la bataille de Odelltown en 1838 aux côtés de Charles Hindenlang, qui était comme le lieutenant de Hindenlang. Et d'ailleurs, Hindenlang a été arrêté et a été pendu le même jour que Delorimy. Donc, ouais. Ça s'est mal passé pour lui. Alors, il a été arrêté, Hippolyte Langteau, et il était en prison quand Médéric est né. Donc, on disait de Médéric, il est né aux portes de la prison, comme si ça allait marquer le reste de sa vie. Et donc, il a été condamné à mort. Mais après ça, sa peine a été modifiée. On l'a plutôt envoyé en exil en Australie, un exil à vie, ça devait être à perpétuité. Donc, pendant cette période-là, évidemment, tout ce que Médéric connaissait de son père, c'était les lettres qu'il envoyait à la famille. Mais au bout de 6 ans, il a bénéficié d'un pardon impérial et il est revenu au Bas-Canada. Donc, et là, il a élevé son fils. Il n'a jamais renié ses idéaux. Hein. Il a élevé son fils, on peut dire, dans la mystique des rébellions. Donc, il a transmis ses idées nationalistes, républicains, démocrate. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait des idées très arrêtées. Et il s'est aussi impliqué en politique un peu plus tard. Il s'est présenté pour le Parti Rouge en 1851, le parti, on va dire, libéral de l'époque. Là. Mm-hmm. Et aussi, il est devenu membre, on va parler tout à l'heure, de l'Institut canadien en même temps que son fils, en 1953. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors, il était notaire de profession. Il était quand même assez bien établi. Et puis voilà. Puis en plus, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il avait été précepteur d'enfants en Australie. Il avait enseigné à des enfants. Donc, je pense qu'il y avait un côté pédagogue assez marqué. Et je pense que, visiblement, il a passé beaucoup de temps avec ses enfants et avec Médéric, là, donc pour l'éduquer. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'on a publié un journal d'Hippolyte Langteau de son voyage, oui, si je ne m'abuse. Qui est disponible. Donc, oui. On peut le lire, il est disponible. Et d'ailleurs, c'est assez récent. Qu'est-ce qu'on sait du parcours scolaire, des lectures de Médéric Langteau, de ses lectures, des personnages qui auraient pu marquer sa pensée, l'influencer? Donc, le jeune Médéric Langteau, là, ça ressemble à quoi son... Alors, à l'école, il paraît que quand il était petit, c'était un bon élève. Il paraît qu'il était premier de classe, apprenait vite et tout ça. Mais on disait qu'il avait déjà une tendance à être un peu rebelle. Il n'aimait pas beaucoup l'autorité. On disait de lui, c'était un petit diable. Oui. Et après ça, il est allé au collège de Saint-Hyacinthe, où il a étudié quelques années. Il était très bon, il paraît, en composition française, en histoire. Il était vraiment doué. Il lisait beaucoup. Mais il y avait déjà des petites rumeurs sur son caractère. Et il y a une rumeur qui dit qu'avec d'autres élèves, il aurait comploté pour mettre le feu au collège. Rien de moins. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Il y a des gens qui ont cherché dans les archives du collège. Ouais, parce qu'il a été renvoyé, je crois. Ben, il n'a pas été renvoyé, mais disons, c'est à l'époque justement où son père s'est présenté pour le Parti Rouge. Et puis, comme par hasard, l'année suivante, il ne revient pas au collège. Donc, il n'a jamais terminé son cours classique. Alors, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que donc, son père a des relations à Montréal. Il connaît un financier qui s'appelle Augustin Cuvillier. Et il fait entrer Médéric comme commis dans cette firme-là, ce cabinet-là. Et là, pendant 3 ans, Médéric est à Montréal. Et là, il apprend beaucoup de choses. Il est dans un milieu économique. D'ailleurs, c'est ce qui va le mener à avoir une maîtrise assez impressionnante des enjeux économiques de l'époque. Là. C'est quelqu'un qui était très rigoureux, les statistiques et tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup lu et qui avait une pensée très développée sur les questions économiques. Mais il s'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses. Et là, c'est là, justement, à cette époque-là, qu'il commence à aller à fréquenter l'Institut canadien. Et là, évidemment, on pourra parler tout à l'heure peut-être, oui. Mais c'est un haut lieu intellectuel. Je pense qu'il faut prendre quelques minutes pour juste situer, expliquer ce que représentait l'Institut canadien dans la société de l'époque et pour un jeune comme Médéric Langteau. Voilà, donc l'Institut canadien s'est fondé en 1844 et c'est un...
c'est un lieu public, hein, c'est un endroit qui a pignon sur rue, on va là, il y a une bibliothèque très bien garnie, c'est un lieu de conférences, de débats. D'ailleurs, Médéric Langteau va être un des conférenciers les plus actifs, hein, de la période 1850-1870, c'est un de ceux qui va le plus souvent prendre la parole à l'Institut. Et c'est vraiment l'Institut, c'est, on peut dire, ce sont les héritiers idéologiques du Parti patriote. Hein. Mm-hmm. C'est le Parti rouge. Ils ont leur journal officiel, on va dire l'organe de l'Institut, c'est le journal Le Pays. Et là, donc, Médéric rencontre beaucoup de gens, là, fait beaucoup de lectures, fait beaucoup de conférences. Il rencontre des gens comme Louis-Antoine de Sol, qui était un bon journaliste, neveu de Papineau, très connu, puis il était en politique aussi. Il y avait Joseph Doutre, qui était président de l'Institut, qui était anticlérical et qui a beaucoup aidé Médéric, et d'autres gens aussi, Arthur Buis, un jeune Wilfrid Laurier aussi a fréquenté l'Institut. Donc, c'était vraiment un endroit vraiment au cœur de la vie intellectuelle, mais c'est aussi un endroit qui avait maille à partir avec l'Église. Hein? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits opposant donc l'Institut canadien et l'Église catholique. On reprochait à l'Institut d'avoir des collections, par exemple, de livres qui n'étaient pas conformes aux enseignements de l'Église. Il y avait des romans, imaginez-vous donc, Alexandre Dumas, etc. Ce n'est pas des choses qu'on voulait voir les gens lire. Alors, et entre autres, d'ailleurs, une anecdote intéressante à cette époque-là, Médéric, visiblement, était assez remonté parce que c'est l'époque où l'Église lance une institution qui s'appelle l'Œuvre des bons livres, donc une bibliothèque aussi, mais rivale, avec des livres édifiants, des livres qui respectent les enseignements de l'Église. Et un soir, parce que justement il y avait tous ces conflits avec l'Institut canadien, bien, Médéric et un de ses amis décident, en pleine nuit, d'aller briser les vitres, briser les carreaux de l'œuvre des bons livres, lancer des cailloux. Ah oui? Et oui, et là, ils se font prendre, et il va y avoir un procès où Médéric va être défendu par un avocat, justement, patriote. Et là, donc, c'était soit on vous envoie en maison de correction, soit vous payez l'amende, et il a payé une amende de 20 $ $20 en 1800? C'est 58, ouais, à peu près. Là, donc, c'est une forte somme. Oui, voilà. Alors, justement, mais avant de passer à l'action publique et à l'action intellectuelle et politique de Médéric Langteau, peut-être un mot sur sa vie privée. C'est-à-dire que vous l'avez dit, il est commis dans un bureau, il a une formation, je crois, juridique minimale, comme on avait souvent à l'époque. Mais de quoi vit-il et qui épouse-t-il? Combien a-t-il d'enfants? Un mot sur sa vie privée, peut-être? Oui, alors là, justement, il fréquente l'Institut canadien. Et il fait vraiment beaucoup de choses à cette époque-là. Il est très jeune encore, et mon Dieu, mais il est extrêmement occupé. Donc, alors, il fait premièrement sa cléricature, c'est-à-dire que pour devenir avocat, il faut faire 3 ans dans un cabinet d'avocat. Et il rentre au cabinet d'Outre et d'Aou. Donc, Joseph D'Outre, donc président de l'Institut, est aussi avocat et fait entrer Médéric donc comme clerc. Alors, donc, il apprend là pendant quelques années. Donc, un bureau d'avocat libéral rouge. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, il encourage Médéric aussi à développer son côté un peu plus au niveau de sa plume. Alors, il encourage à travailler pour des journaux, on pourra en reparler. Mais alors, il devient donc avocat. Il passe son barreau en 1860, devient avocat. Et ça marche quand même assez bien au début. On recherche ses services dans tous les domaines, d'ailleurs, du droit. Hein, il défend la Banque du Peuple, mais il défend aussi des prévenus de meurtre à la Cour criminelle. On recherche ce service, il est éloquent, il parle bien et il a des connaissances étendues. Donc, pour la période 1860-62, là, on ne connaît pas beaucoup de choses justement parce qu'on a perdu ses papiers, mais on sait qu'il est avocat et que ça marche quand même assez bien pour lui. Et c'est en 62 qu'il marie Agnès, Agnès D'Outre, la sœur de Joseph D'Outre. Il se marie avec elle en 62 et à la fin de sa vie, il a 5 filles et 1 garçon. Et 2 enfants qui sont morts en bas âge. Ouais. Alors, comme c'était souvent le cas, parlons juste rapidement sur les journaux qui comptent. Parce qu'avant de parler de ses débuts dans le monde du journalisme, puis comme plume, quels sont les journaux qui comptent et juste nous les situer un peu rapidement? Oui, alors il y a beaucoup de journaux à l'époque, puis c'est en général, les journaux étaient donc alignés sur un parti, hein, c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors j'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure du journal Le Pays, qui est le journal, qui est l'organe donc de l'Institut canadien, journal rouge ou libéral, donc avec des idées progressistes pour l'époque. Droit de vote, etc., des questions comme ça. En face, le grand rival du pays, c'est le journal La Minerve, qui est l'organe du Parti conservateur.
Et La Minerve, qui était d'ailleurs un journal patriote, hein, Luigi Duvernay, mais bon, avec les années, ça arrivait d'ailleurs souvent à l'époque, les journaux changeaient complètement d'idéologie au gré des changements de propriétaires. Alors, La Minerve, et il y a des journaux aussi, il y a des journaux religieux, il y a le Journal de Québec, il y a aussi des journaux ultramontains, donc des journaux, on va dire, ultra-catholiques, plus axés sur Rome, comme Le Nouveau Monde ou Le Courrier du Canada. Donc, il y a vraiment tout un univers de journaux. Il y a des journaux un petit peu plus, comme L'Ordre, par exemple, qui est un journal un peu plus, qui est un journal catholique, mais un peu plus modéré. Donc, c'est un monde assez... en ébullition. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut le rappeler parce que quand même, des fois, on a cette image un peu caricaturale. Tout le monde pensait la même chose dans le Canada français. D'avant. Alors, il y avait évidemment des prescriptions de l'Église et tout ça. C'est pas pour le nier du tout, mais il y avait quand même une vraie pluralité d'idées. Dans quel journal commence-t-il? Fait-il ses débuts? Alors, c'est ça. Donc, je crois que, si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature, c'est Langteau aurait voulu devenir avocat peut-être un peu plus tôt, mais Doutre, Joseph Doutre, encore lui suggère d'affiner sa plume et lui dit « Tu devrais commencer à travailler un peu pour un journal. » Et il l'envoie, il va travailler pour le Courrier de Saint-Hyacinthe. Alors là, pendant 2 ans et demi à peu près, il travaille là, il fait en même temps sa caricature, donc il fait le va-et-vient entre Saint-Hyacinthe et Montréal. Et là, il apprend vraiment son métier et il écrit sur une foule de sujets. On disait à l'époque, il fait de la polémique. Alors, il écrivait, il pouvait être un peu provocateur parfois aussi, mais il écrit sur plein de sujets, politique étrangère, il parle, je ne sais pas moi, de l'ouverture de la Chine et du Japon au commerce international, par exemple, des sujets vraiment de politique mondiale, mais il s'intéresse aussi aux questions locales, réformes du gouvernement, et ainsi de suite. Donc, il est là pendant quelques années. Et d'ailleurs, quand il quitte, c'est comme s'il y avait... Il y a des gens au journal qui disaient « Bon, mais OK, on va prendre une petite pause parce que ça a été assez, assez intense pendant qu'il était là. » Et après ça, il s'en va au Pays. Alors, il se retrouve au Pays, au journal Le Pays, et il remplace De Sol. Alors, son ami Laurent-Olivier David dit de lui, il dit « Mais c'est quand même exceptionnel, il n'y a pas 20 ans, et déjà, il remplace le journaliste le plus redoutable du Pays. » Du Pays du Canada, hein, du Bas-Canada. Donc, c'était... vraiment exceptionnel pour l'époque de voir un jeune blanc-bec comme ça avoir un poste aussi important. Mais au Pays, par contre, la différence, c'est qu'il doit apprendre un peu plus l'art du compromis. Parce que là, il travaille pour un journal axé, vraiment le journal du Parti libéral. Hein, propriétaire, d'ailleurs, c'est Dorion, le chef du Parti libéral de l'époque, du Parti rouge. Alors, il faut qu'il fasse un peu attention. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Alors, il apprend des choses. Ce n'est pas un journal de franc-tireur. Voilà, exactement. Et bref, tout se passe, tout ce temps dans les journaux, au-delà de donc améliorer sa plume, etc., et c'est que ça lui soit très utile ensuite, parce que là, il va apprendre tous les rouages internes d'un journal. Donc, autant du point de vue technique, comment est-ce qu'on imprime le journal, les presses, la typographie, le papier, etc., mais aussi le côté commercial, donc les relations avec les abonnés, et ainsi de suite. Et ça va lui être utile quand il va lancer ses propres journaux par la suite. Donc après ses débuts dans le journalisme, il va faire un voyage en Europe, toujours des voyages assez longs, hein, je le rappelle souvent. Pourquoi et qu'est-ce qu'on sait de ce voyage et qu'est-ce qu'il va rapporter de ce voyage et où va-t-il? Alors, c'est assez. Ce qu'on connaît sur ce voyage, c'est assez limité. Ce qu'on sait, c'est qu'il était assez fatigué. Visiblement, il s'était peut-être un peu surmené. Carrière d'avocat, écrit dans les journaux, Institut canadien, très, très, très actif. Il décide de partir. Alors, il va, à l'été 62, il s'en va en Europe. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est allé en France et en Angleterre, peut-être aussi en Allemagne, on n'est pas certain. Et là, ce qu'il a fait là, il a passé quelques mois là-bas. Ce qu'il a fait là-bas, surtout, c'est, on peut dire, prendre le pouls de toute l'effervescence ouvrière qui existait à l'époque là-bas. Donc, en Angleterre, surtout, un pays qui était le premier pays à vraiment s'industrialiser, on voyait les effets néfastes du capitalisme, la pauvreté, la misère. Les ouvriers commençaient à s'organiser. Ils commençaient à avoir des regroupements qui, parfois, menaient à des réussites, hein, des hausses de salaire, des améliorations des conditions de travail. Donc, il est très intéressé par ça. Et ça, on dirait que c'est comme s'il avait vraiment appris de cette expérience, et il va essayer de répliquer ce phénomène-là ici, plus tard dans sa vie, à Montréal, auprès des ouvriers montréalais. Alors justement, donc, il revient, et là, il ne fait plus qu'écrire dans des journaux déjà qui ont pignon sur rue.
je ne sais pas si c'est voyage qui l'a énergisé, mais il fonde des journaux. Et pas n'importe quel journaux. Alors, qu'est-ce qui, pourquoi? Racontez-nous. Alors, visiblement, Médéric Langteau avait envie d'avoir, on peut dire les coups des franches, là, pour dire un peu tout ce qu'il voulait dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il voulait vraiment s'exprimer. Alors, en septembre 1963, il lance un journal qui s'appelle le journal La Presse. Ce n'est pas La Presse qu'on connaît aujourd'hui, là. C'est un autre journal, La Presse. Et ce journal-là, en fait, le cœur de son propos, c'est qu'il souhaite le rappel de l'Union. Alors, on se rappelle, hein, c'est l'Union du Haut et du Bas-Canada en 1840, l'acte d'Union, suite au rapport de Rame, et il est totalement opposé à ça. Donc, dans son journal, c'est vraiment une campagne effrénée là, contre l'Union, pour le rappel de l'Union, et avec une forte dimension indépendantiste dans son oui, propos. Mais justement, déjà, il commence déjà à dire... Si ce n'est pas l'Union, c'est quoi alors? Ben, s'il veut sortir de l'Union du Haut et du Bas-Canada, c'est ça. Que veut-il au juste? Alors, il commence, c'est le début d'une espèce de campagne pour une indépendance du Bas-Canada. La rupture du lien colonial avec l'Angleterre et l'indépendance du Bas-Canada. Donc, c'est son projet, mais rapidement, là, ça c'est en septembre 1963 que le journal est fondé, en mars 1964, là il y a un coup de théâtre, c'est l'annonce de la Grande Coalition, donc cette alliance entre les conservateurs du Bas-Canada Cartier et du Haut-Canada McDonald, et aussi des libéraux du Haut-Canada, donc les Clear Grits de George Brown, donc à trois. Et cette coalition-là dit, ben, nous, on va essayer de lancer le projet d'un nouveau pays, donc le Canada actuel, une fédération des provinces. Et là, c'est comme si ça, à ce moment-là, il y a un électrochoc chez Langteau. Et là, il dit, ben, OK, là, on va arrêter de se battre contre l'Union, on va s'opposer à ce projet-là. On va s'opposer à la Confédération. Et là, donc, le journal change de nom. Donc, un an après, donc durant l'été 64, il commence à avoir des grandes conférences, des manifestations, des pétitions. Mais en septembre 64, donc un an après la fondation de La Presse, on change le nom du journal et on dit maintenant ça s'appelle l'Union nationale. Donc là, ça, c'est l'idée derrière ce journal-là. C'est nous, les Canadiens français, on devrait s'unir, on devrait mettre de côté les partis. On est au-dessus des partis. Hein? Déjà dans La Presse, c'était un journal qui était indépendant des partis. Hein? On ne voulait pas être associé à un parti en particulier. Même s'il y avait une légère tendance côté rouge quand même. C'est assez neuf. Mais c'est assez neuf parce qu'à l'époque, comme j'ai dit, les journaux étaient alignés sur un parti. Et lui, oui. il démarre d'ailleurs, La Presse, c'était un quotidien. Hein? C'était complètement nouveau aussi. Et c'était un journal qui disait non seulement on est indépendant des partis, mais même on veut les abolir, on veut les faire disparaître pour que, dans le sens de l'union fait la force, pour que les Canadiens français soient réunis ensemble pour leur bien collectif. Donc, l'Union nationale, c'est ça. Le nom représente un peu mieux l'idée que La Presse. Et ce journal-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes conservateurs et de jeunes libéraux qui sont mécontents du projet, qui voient beaucoup de problèmes et qui se regroupent autour de Médéric Langteau pour créer ce nouveau journal qui va être consacré à lutter contre le projet de Confédération. Donc, c'est l'embryon d'une espèce de nouvelle troisième voie, finalement, oui. Entre les conservateurs et les rouges. Oui, mais là, je veux je vais un peu vite, là. Je voudrais qu'on revienne là-dessus puis qu'on réfléchisse un peu à ce qui se passe pour qu'on réalise que c'est pas rien, là. Parce que moi, quand j'ai lu votre roman, moi, Langteau, oui, opposé à la Confédération, oui, pionnier du mouvement ouvrier, mais embryon d'une pensée indépendantiste. Bon, on disait Bas-Canada, on disait pas Québec, mais c'est l'équivalent, c'est la même chose. Ça, j'avoue que moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a de la fiction là-dedans? Là? C'est peut-être qu'il prend ses rêves de réalité. Hein? Il est tellement enthousiaste avec Langteau qu'il voit des gens indépendantistes. Mais vraiment, là, dans les colonnes de l'Union nationale, on évoque une telle possibilité. Et si oui, mais là, vous comprenez bien que ce n'est pas tout à fait la position des Rouges historiques. Les Rouges, je le rappelle pour le public, étaient plutôt favorables à l'annexion aux États-Unis, hein, que le Bas-Canada, que le Canada uni. Vient une nouvelle, un nouvel État de l'Union. Alors, expliquez-nous comment ça devait brasser là, du côté des Rouges et des libéraux d'avoir un franc-tireur comme lui. Expliquez-nous. Alors voilà, ce que Langteau disait, c'est que le choix qu'on donnait au peuple, en fait, il n'y a pas vraiment eu de choix, mais ce qu'on disait, c'est que d'un côté, vous avez les conservateurs, les bleus, qui sont pour la Confédération, et de l'autre, vous avez les Rouges, les libéraux, qui disent qu'ils sont plus
porté vers l'annexion aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce sont des républicains. Et alors, pourquoi ne pas rejoindre la grande nation républicaine juste à côté, les États-Unis? Mélenchon, lui, refuse. Il dit c'est un faux dilemme. On devrait penser à une troisième voie, ouais. Une autre façon de voir les choses, qui serait qu'on aurait notre propre pays et peut-être que la France pourrait nous appuyer dans cette entreprise-là. Donc, il pense toujours en termes internationaux. Il pense au contexte politique de l'époque. Il faut se rappeler que les années 1860, c'est la guerre civile américaine. C'est la guerre de sécession. Et beaucoup de gens se disaient, mais est-ce que... Parce que l'Angleterre avait été plutôt du côté du sud, hein, parce qu'il y avait le coton et tout ça. Donc, beaucoup de gens disaient, quand le Nord a gagné la guerre, il est bien possible qu'ils nous attaquent ici au Canada et puis qu'ils conquièrent, finalement, comme ils avaient déjà essayé de le faire plutôt au 19e siècle, en 1812, entre autres, peut-être qu'ils vont essayer de nous envahir. Alors là, il y a des gens qui se disaient, les Rouges, ils disaient, peut-être que ça ne serait pas une si mauvaise chose que ça, finalement. On deviendrait un État américain, on pourrait garder notre langue, c'était la vision qu'ils avaient, mais surtout, on ne serait plus dans ce régime monarchiste que serait donc le Canada proposé par les Bleus. Mais est-ce que les journaux rouges comme Le Pays, ou est-ce qu'ils vont attaquer l'Union nationale en disant que ce n'est pas réaliste comme position? Est-ce qu'on va considérer que Langteau est un peu un trublion qui crée la bisbille dans les rangs? Les Rouges sont opposés aussi à la Confédération. Donc, à la base, ils ne sont pas mécontents de voir un journal qui est aussi opposé à la Confédération. Mais ce qu'on va dire de Langteau, parfois, c'est parce qu'on le connaît bien, il a travaillé au Pays. C'est quelqu'un de la bande, finalement. C'est un ami. Mais c'est un ami qui est en rupture de bande. En rupture un petit peu, là, qui s'en va dans sa propre direction. Et puis parfois, oui, on a des mots un peu durs pour lui. C'est un collégien, il a des idées un peu fantasques. C'est pas possible. Notre nationalité est trop jeune. Des choses comme ça. On va dire ça un peu de lui, que c'est un peu un rêveur. Et quand vous dites qu'il envisage le soutien de la France, mais à l'époque... Napoléon III est très, très anglophile, alors je ne sais pas comment il pouvait imaginer que la France viendrait... Voilà, mais c'est ça qui est intéressant avec Langteau, c'est qu'on lit ses textes, et puis il suffit qu'il y ait un événement pour qu'après ça, il embarque là-dessus, et puis il repart avec une autre chronique. Il est indépendantiste, là, je veux dire, c'est indéniable, il a toujours cru que c'était la meilleure option pour le Bas-Canada, mais il est vrai que parfois sa pensée peut prendre des drôles de détours, dépendant du contexte. Et justement, après la Confédération, on en parlait tout à l'heure, ils vont un peu changer. Mais en même temps, c'est très facile de dire ça en 2022, quand on regarde 1864. Et c'est des gens qui sont dans l'événement, qui pensent l'événement. Et donc, on peut évidemment sourire après coup, mais quand on est dans l'événement, on cherche toutes les brèches. Vous dites donc... contre la Confédération. Mais qu'est-ce qu'il reproche tant à la Confédération? Est-ce que c'est la même chose que ce que reprochent les Rouges? Mais en gros, c'est quoi le problème avec la Confédération pour Médéric Langteau? C'est ça. Donc, les critiques des Rouges sont, il faut quand même le dire, un peu mollassonnes. Hein? C'est une critique, le timing n'est pas bon, ou il y a tel élément dans le projet qu'on n'aime pas. Alors que Langteau, lui, c'est une critique vraiment tout azimut, hein? Extrêmement dure. Il dit rien de moins que c'est un danger de mort pour la nationalité canadienne-française que la Confédération. Il n'y a pas de mots assez durs pour Georges-Étienne Cartier. Hein, il va le traiter de vendu, de suppôt de Lord Durham, de traître à son peuple. Il est très, 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 très dur. Donc, il y a tout cet aspect-là de préserver donc, l'existence d'une nation française en Amérique du Nord. Il y a ça. Autre critique très forte du projet, c'est qu'il va dire que les circonstances du projet dans lesquelles le projet est préparé, sont totalement antidémocratiques. C'est comme si c'était un projet qu'on faisait derrière des portes closes, la conférence de Québec, derrière des portes closes. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, le peuple n'aura pas un mot à dire là-dessus. D'ailleurs, il n'y aura jamais de référendum ou de quelconque consultation populaire. Est-ce qu'il souhaitait qu'il y ait un plébiscite? Oui, lui, il voulait que le projet soit soumis au peuple. Ça ne s'était jamais fait. Donc, c'était un vœu pieux de sa part, ça n'est jamais arrivé. Mais il disait aussi, en tant que républicain, il disait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de répliquer le système monarchiste anglais
ici en Amérique du Nord, un endroit où on devrait justement être libre, on devrait avoir une république, on ne devrait pas avoir ces vieilles institutions de l'ancien monde. Alors, il est vraiment très, 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 très opposé au projet. Et en plus, il va dire que c'est dangereux pour notre religion, que c'est ruineux. Alors, oui, c'est une critique extrêmement large à tout point de vue. Alors, à court terme, donc, en 1864, l'Union nationale, donc là, c'est boulet rouge contre le projet de confédération. Pendant quelques temps, si je vous suis bien, c'est un combat, je dirais, intellectuel, un combat d'idées. Mais assez rapidement, il va aller plus loin. Comment il va vouloir déployer cette opposition ou organiser cette opposition à la Confédération avant d'en arriver à l'élection? Mais en gros, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va avoir un véritable tourbillon là, d'assemblées publiques, de pétitions. Il va courir partout à Montréal, essayer de convaincre tout le monde. Il va même essayer de charmer le clergé, qui penche un petit peu plus quand même vers la Confédération. Donc, il va aller voir des curés qui pensent qu'ils sont favorables à ses idées. On va faire des assemblées publiques dans une foule de villages du Québec. Dans mon roman, je mets en scène celle qui se passe à Sainte-Julienne, dans la Naudière. Les gens se présentent. Il y a quelqu'un qui parle pour le Parti conservateur, quelqu'un qui parle pour le Parti rouge ou le côté, disons, anti-confédération. On évalue le mérite des deux propositions et après ça, on passe un vote. Et souvent, il y avait des résolutions du type « nous, on est contre » et on aimerait ça qu'il y ait un appel au peuple. Donc vraiment, pendant ces mois-là, Langteau, il se démène, il est extrêmement occupé. Il y a Laurier qui participe aussi d'ailleurs à ces actions-là. Oui, qui est aussi dans votre roman. Qui est aussi dans mon roman. Tout jeune, Wilfrid Laurier. Un jeune Laurier, qui est... Il est à peu près de la même génération, finalement. Il est un peu plus jeune que Langteau. Il y avait vraiment toute cette agitation. Mais là, éventuellement, c'est ça. En mars 65, le projet est adopté. Même si Langteau a dit, c'est pas la conférence de Québec, là, c'est pas la grande coalition, c'est la grande conspiration. Il est vraiment enragé noir, mais ça passe quand même. Donc en mars 65, les résolutions sont adoptées et le projet de confédération est bel et bien en marche. Alors on va revenir à l'année 1867 où il va se présenter aux élections, mais avant on fait un pas de côté et là on va parler de son action ouvrière. Donc là il va vraiment fédérer des associations ouvrières. Peut-être un mot sur, justement, ce milieu ouvrier au milieu des années 1860. Vous l'avez dit, on n'est pas encore tout à fait entré dans l'ère industrielle, mais quand même, il y a une activité. Oui, alors à l'époque, les travailleurs au Québec, c'est 85 % rural. C'est seulement 15 % de travailleurs urbains. Donc, à Montréal, il y a des nouvelles industries qui sont installées, on fabrique des cigares, des vêtements, des souliers, des locomotives, des fonderies. Donc, on commence vraiment à avoir une certaine activité économique industrielle. Et Langteau, lui, avec l'exemple dont il était témoin en Angleterre et en France, il voit ça puis il dit, c'est l'avenir de la nation. C'est ça l'avenir, c'est l'industrialisation. Et d'ailleurs, je fais juste un rappel rapide, c'est que tant qu'on est dans l'Empire britannique, c'est les produits anglais qui sont sur notre marché. On ne peut pas développer notre industrie. Donc, il y avait une espèce de pensée même un peu protectionniste pour l'époque, pour dire on va protéger notre industrie, notre jeune industrie pour qu'elle grandisse. Dix ans plus tard, McDonald's fera sa politique nationale exactement dans cette perspective-là. Voilà, exactement. Donc, il se rapproche de ces mouvements-là et donc, il est très intéressé par ça. Et c'est sûr qu'on parle souvent de lui comme ayant deux pôles, le pôle national et le pôle social. Mais son activité auprès des ouvriers va aussi nourrir le côté politique. Donc, il fait des liens entre les deux. Et ce qu'il dit aux ouvriers, c'est que, c'est qu'il parle d'eux dans son journal. Alors, il fait état de leurs réunions, les différentes associations qui sont organisées à l'époque, plutôt par métier. C'est des sociétés mutuelles d'entraide. Oui, voilà, c'est des sociétés mutualistes, de mutuelles. C'est ça. Peut-être, c'est ce qu'on appelle l'associationnisme ou le mutualisme. Donc, c'est dans le fond, c'est le principe de l'union fait la force, mais pas encore par usine. Là, c'est par métier. Alors, donc, les boulangers ensemble, les menuisiers ensemble, les poseurs de briques, on se met ensemble, on donne un peu d'argent à chaque mois et on se fait une espèce de trésor, un peu un trésor de guerre, au cas où quelqu'un tombe malade, une veuve, voilà. Et donc, ça permet un peu de minimiser le côté un peu capitalisme sauvage de l'époque, qui était très laissé-faire. À l'époque, ce qu'on appelait la liberté de contrat, c'est qu'on ne devait pas avoir d'intermédiaire entre l'employé et son employeur. C'était illégal. Donc, les grèves étaient illégales.
Donc, c'est sûr que dans un contexte pareil, d'avoir quelqu'un comme Langteau qui parle des ouvriers, qui ne fait pas juste parler d'ailleurs de leurs activités à Montréal, il fait état des grands développements qui ont lieu en Europe. Donc, il éveille les consciences. Et justement, par cette activité-là, extrêmement actif, il est vraiment très, 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 très actif, hein, plusieurs réunions par soir, il court un peu partout, bien, il met les gens en contact les uns avec les autres, ce qui va mener après ça à de grands résultats dans son cas, là. Ben justement, donc un de ses grands résultats, c'est de créer cette grande association. Alors, parlez-nous de ça. Oui, alors là, ce qu'il fait, c'est qu'en mars, donc en mars 67, il lance l'idée dans son journal, dans l'Union nationale. Il dit, ben, on devrait peut-être penser à une grande association qui regrouperait les corps de métier. Est-ce que c'est son optique est uniquement, disons, politique dans le cadre de la Confédération ou il est plus large? Non, là, c'est vraiment pour le bien des ouvriers. Parce que c'est sûr qu'on l'a accusé, bien sûr, récupérer les ouvriers pour tes idées politiques. Mais il était quand même très sincère dans ses idées ouvrières. Et il était quand même assez habile aussi. Donc, je veux dire, oui, il faisait un lien au niveau politique, mais quand il parlait du bien des ouvriers, quand il les défendait, parce qu'il les défendait vraiment dans la réalité, là, je vais prendre un instant pour parler du fait qu'on l'appelait l'ami des charretiers. Donc, il se salissait les mains. Là. L'ami des charretiers, c'est parce que les charretiers à Montréal, c'était ceux qui transportaient le bois de la gare, le bois de chauffage de la gare jusqu'aux maisons, jusqu'au domicile des gens. Et là, éventuellement, le Grand Tronc, la compagnie du Grand Tronc de chemin de fer, a décidé, non, on va aussi se charger de la livraison jusqu'à la maison. Alors, ce qui, donc, enlevait l'emploi à ces gens-là. Alors, Langteau s'est impliqué, il les a défendus, est allé en cour. Qui était l'avocat du Grand Tronc? C'était Georges Saint-Cartier, comme le hasard fait bien les choses. Donc, il était vraiment très, très, très impliqué. Et voilà, on l'appelait l'ami des Chartiers. Et il parlait de toutes les causes ouvrières dans son journal. Il était très, très, très actif. Et donc, cette GAPOC, donc, il lance l'idée en mars 67, la GAPOC, donc, Grande Association de Protection des Ouvriers du Canada, première association du genre fondée au pays. Donc, il lance l'idée en mars 67. Il y a une réponse intéressante. Les gens ont l'air intéressés. Et en avril, dans la grande salle du marché Bon Secours, il y a une grande assemblée. Et on signe donc les papiers, la Constitution, les règlements sont adoptés. Et voilà, la GAPOC est lancée. Et dans les mois qui suivent, c'est un véritable succès. Il y a 25 corps de métier qui rejoignent la GAPOC. C'est comme si... Je vais un peu résumer. C'est comme si les patrons se sont dit « Oh, là, ça commence à brasser un peu. » Et il y a eu plusieurs corps de métier qui ont enregistré des gains. Les meubliers, les imprimeurs ont eu des hausses de salaire. Langteau s'est impliqué auprès des boulangers, etc. Donc, il y a eu vraiment eu une espèce de grand mouvement. Et c'était le principe. On donnait 10 sous par mois. Et ça permettait de créer un gros montant pour donc aider ces ouvriers-là. Et là, jusqu'à la consécration. Donc, la consécration... Mais racontez-nous cette consécration. La consécration, c'est vous en avez parlé un peu en introduction, c'est la fameuse grande procession qui a eu lieu le 10 juin 1867. Et cette procession-là, c'était un succès éclatant. Là, vous avez parlé de 8 000, moi j'ai lu 10 000, même jusqu'à peut-être même 15 000. On peut peut-être dire 10 000, mais la population de Montréal était 100 000 à l'époque. Ben oui, c'est gigantesque, là. Ben oui. C'est énorme. Alors, ce que c'était une procession au flambeau dans les rues de Montréal. On est passé par le Champ de Mars. Alors, il y avait un énorme drapeau patriote, rouge, blanc, vert. Il y avait chaque corps de métier avait sa petite banderole avec sur le blanc l'emblème du corps de métier en question. Il y avait une fanfare. Il y avait un énorme soleil de vert sur lequel était écrit « Le soleil, lui, pour tout le monde ». Et il y avait derrière Langteau dans un carrosse tiré par 4 chevaux. Oh là là. Et tout le monde applaudissait. Vive Langteau, vive Langteau. C'est un triomphe. Oui. C'est vraiment un triomphe. Oui. Ouais, ouais. Et un triomphe qui aurait pu le porter très loin. Parce que là, on revient à la Confédération de 1867. Il se présente aux élections municipales en 1866. Alors, quel est son objectif? Juste un mot là-dessus, puis après ça, on va arriver sur oui, son action. Oui, c'est important d'en parler parce que, oui. Alors, en 1966, il se présente dans le quartier Est comme échevin, hein, comme au conseil de ville, contre un homme de paille de quartier qui s'appelle Debord, Alexis Debord, et il l'emporte, par très peu de voix d'ailleurs, il l'emporte. Et là, bon, lui, son programme, c'était on va rénover les égouts, on va arranger la plage de quartier, on va faire ci, on va faire ça. Mais alors, il est élu, en fait. Les gens se disent, ben, ça sera notre défenseur. Nous, les ouvriers, on aura quelqu'un à l'hôtel de ville qui va pouvoir nous défendre. Et c'est ce qu'il fait.
Il dépose la pétition des boulangers à l'hôtel de ville. Il s'oppose à un changement de la charte de la ville de Montréal qui ferait en sorte que les locataires perdraient leur droit de vote et que les propriétaires, eux, gagneraient un droit de vote à tous les endroits, à tous les quartiers où ils ont une propriété. Donc, il s'oppose à ça. Donc, vraiment, il se fait une réputation là, de défenseur acharné des ouvriers. Et évidemment, cette position-là, bien, il en profite. Il parle des réunions du conseil de ville dans son journal. Donc, vous voyez, tout se mélange là. Et là, ça mène justement à la grande procession. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour même de la procession, donc j'ai dit le 10 juin 67, oui. Le jour même, bien, on lui enlève son poste d'échevin. On dit, ah, finalement, vous n'avez pas rempli les exigences d'un point de vue foncier et de votre fortune personnelle, etc. Alors, On trouve des peccadilles, finalement. On avait déjà essayé de lui enlever son poste, de lui retirer son poste. Ça n'avait pas marché, mais là, ça marche le jour même de la procession. Alors, vous imaginez bien que Langteau est très fâché. Il dit, on a voulu m'humilier aujourd'hui, on a humilié les ouvriers en même temps. Alors, il est tellement fâché que ça a contribué, ça et la grande réussite de la GAPOC, au fait qu'il décide de se présenter à l'élection de septembre 67. Mais ça devait être... Le match que tout le monde suivait, le match politique que tout le monde suivait à Montréal et au Québec et peut-être même au Canada. Donc, on a ce Médéric Langteau, vous l'avez dit, tiré comme un héros pendant cette grande procession du 10 juin. C'est le personnage de l'heure, c'est l'homme qui a fédéré les ouvriers, une première dans notre histoire. Et il décide, peut-être fort de cette... et peut-être aussi pour venger son humiliation du conseil municipal et pour capitaliser sur cette popularité... Il essaie de se présenter dans Montréal-Est contre Georges-Étienne Cartier. Mais ça prenait tout un culot quand même. Ah, ça, c'est moi qu'on peut se dire, un culot énorme. Il se présente comme candidat indépendant, si je comprends bien, puisqu'il n'y a pas vraiment de parti. C'est Parti Rouge et aussi un peu parti. C'est comme une espèce de candidat du Parti Rouge, Parti National. Son parti, c'est une espèce d'embryon de parti. Alors, c'était lui qui avait. C'est lui qui avait obtenu l'investiture et c'est lui qu'on avait choisi pour contrer Cartier. Et là. Mais est-ce qu'il parle en termes de Parti National? Parce que ça, c'est un vocabulaire qui va être plus tard. Ça je vous avoue que le Parti National, on en parle parfois plutôt pour qualifier le regroupement qu'il a créé. La démarche. D'accord. Est-ce que ça existait vraiment? Ouais. On en parle relativement peu. D'accord. Donc, il se présente. Alors, il se présente. Et là, c'est une campagne rocambolesque, incroyable. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que si le scrutin avait eu lieu en juin, il aurait probablement gagné. Mais là, il y a eu tout l'été qui s'est passé parce que l'élection avait lieu en septembre, au début septembre. Avec la GAPOC, il y avait notamment l'idée de créer des magasins à prix coûtant, donc des magasins comme des coopératives pour que les gens puissent acheter des denrées de base, là, riz, thé, sucre, au prix coûtant. Alors, cette grande idée-là, il l'avait lancée, mais là, durant la campagne, les magasins font faillite. Langteau n'a pas assez de capital pour leur permettre de survivre. Ça fait faillite. Et il y a aussi un scandale qui l'accable. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Un petit scandale, le scandale Cinotte. Alors, un certain Cinotte qui aurait... Langteau lui devait de l'argent, il lui refuse de lui remettre son argent, et Cinotte se venge en allant porter leur correspondance à la Minerve. Et dans la correspondance, on apprend, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est exagéré, on apprend que Langteau aurait peut-être fait quelques petites magouilles, il se serait, par Cinotte, il serait devenu propriétaire d'une carrière de pierre à Coaticook, et il aurait manœuvré pour que cette carrière de pierre ait le contrat de réfection des trottoirs de la ville de Montréal. Donc, vous voyez déjà les histoires de trottoirs. Ça existait déjà un peu à l'époque. Alors, la correspondance de Cinotte, publiée par la Minerve sous le titre « Un fourbe démasqué ». Voilà, donc c'est embarrassant. C'est embarrassant. Et là, il faut qu'il se défende. Il est dans un contexte où il y a un procès. Il doit se défendre. Et ça ne l'aide pas pour sa campagne. C'est comme si les tuiles lui tombent dessus. Voilà. Alors, il y a une... Et là, je sors mon petit papier. Il y a une campagne de salissage de la Minerve contre lui. Alors, on le traite de tous les noms. Alors, évidemment, on lui reproche des choses du genre individu sans expérience, réformateur bourgeois qui n'est ni artisan ni ouvrier. Il se cache d'ailleurs toutes les grèves à Montréal. Bon, des choses comme ça. Mais aussi, on lui lance une foule d'insultes. Alors, je vais vous faire un peu la liste. Révolutionnaire, rouge déguisé, débauché, désœuvré, déréglé, ignoble casseur de vitres. Alors, on se rappelle l'épisode. Gibier de maison de correction. Menteur, parjure, excommunié de l'Institut canadien, âme damnée des ouvriers, plaie d'Égypte et sangsue du peuple. Rien de moins. Alors bref, on ne l'aime pas. On n'aime pas Médéric Langteau. Il y en a qui seraient affectés pour moins que ça. Voilà. Et la campagne se poursuit. Il y a même eu une émeute.
Et beaucoup de gens disent que c'est une des élections d'ailleurs les plus corrompues de l'histoire. Hein, et l'Église s'est mise du côté du Parti conservateur. Son appel au curé n'a pas fonctionné. Bref, malgré tous ses efforts, l'élection a lieu et Langteau perd. Cartier l'emporte avec 54 % des voix. C'est assez serré. Oui, c'est assez serré. Et d'ailleurs, quand le résultat du scrutin est connu, la Minerve titre « La vipère est morte ». Alors, rien de moins. Voilà. Bon, alors là, on est en 1867. Il vient de vivre en quelques mois, on pourrait dire, une espèce de zénith de popularité. Et là, une chute très brutale, tout ça en quelques mois. Ça affecte n'importe qui, serait extrêmement affecté par autant d'événements et d'émotions, on pourrait le dire. En 1868, il s'exile. D'ailleurs, en même temps, presque Louis Fréchette. J'ai découvert par hasard, presque en même temps que Louis Fréchette, qui était aussi opposé à la Confédération. Pourquoi et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exiler aux États-Unis. Alors voilà, donc après le scrutin, Langteau, évidemment, on commence à connaître son caractère, il est très fâché. Il dit l'élection a été volée. Il commence à ruer dans les brancards. Il veut, dans le fond, un soulèvement du peuple. Il va voir les gens pour qu'ils se rebellent et qu'il y ait un soulèvement populaire pour donc s'opposer au scrutin. Ça ne marche pas. Le Parti rouge commence à le trouver un peu embarrassant. Se dire, là, il est un peu radical. On n'a pas trop aimé, justement, sa radicalisation des ouvriers ou leur organisation. Il y a beaucoup de bourgeois dans le Parti rouge qui ne sont pas nécessairement contents de voir ça arriver. Et on le trouve un peu trop fantasque, il va un peu trop loin. Donc, il perd un peu du crédit et sa colère ne l'aide pas du tout. Et graduellement, donc vraiment, les choses commencent à aller très, très mal. L'AGAPOC disparaît en quelques semaines. Et en plus, après ça, c'est son journal national qui ferme ses portes à la fin de l'automne. Donc, au début de 1868, il tente de démarrer un nouveau journal. Ça ne marche pas du tout. Et là, il est ruiné, il est un peu... Il n'y a plus grand monde qui lui parle, finalement. Alors, il décide très isolé, tout à fait. Très isolé, et voilà, il s'en va. Il s'en va aux États-Unis. Donc, il émigre aux États-Unis, dans les milieux franco-américains. Donc, il va à Détroit, il va aussi en Nouvelle-Angleterre. Il démarre quelques journaux dans ces endroits-là. Et pour un certain temps, ça fonctionne un petit peu, mais au bout de quelques semaines, ces journaux-là font faillite. Donc, c'est comme deux années qui, franchement, ça ne marche pas très bien pour lui. On dirait qu'il est un peu comme David, Laurent-Olivier David disait que c'était une feuille livrée au vent. Là, il va un peu dans toutes les directions. Même, à un moment donné, il renie sa foi catholique. Il devient baptiste. Ah bon? Alors, contre toute attente, il renie sa foi. Pas une très bonne façon de se faire ami avec les franco-américains, hein, qui étaient très attachés à la religion catholique encore. C'est comme s'il était tellement fâché contre les curés qu'il décide de se venger. D'ailleurs, cette conversion ne durera pas très longtemps, mais... Alors, il fait même publier un journal anticatholique, « The Anti-Roman Advocate ». Il écrit une brochure contre l'Église. C'est comme s'il avait touché la réussite de si près, ça n'a pas marché, et puis là, rien ne va plus. Après, c'est vraiment la débandade totale. Alors, et là, la déchéance, j'ai envie de dire, va se poursuivre. Je vous dis, c'est un personnage qui va mourir jeune. Donc, il revient, et là, coup de théâtre, en 1872, il y a une élection, et il va soutenir Cartier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est quand ça, même un mystère. Là, malheureusement, on n'a pas ses papiers privés, on n'a pas ses lettres, mais c'est quoi les hypothèses? Le pauvre Langteau, il revient donc en 1870 à peu près. Il tente de repartir son bureau d'avocat, ça ne marche pas très bien avec son frère d'ailleurs. Il se présente aux élections provinciales en 1871. Le pays, le journal Le Pays, le désavoue. Donc ça ne marche pas, il n'est pas élu. Il est platement battu. Et en 72... Alors, il paraît qu'à l'époque, donc Cartier, qui avait gagné l'élection en 67, veut se faire réélire et ça ne va pas très bien avec les Outremontains. Et il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un peu plus d'appui? Je vais aller chercher le vote ouvrier qui m'a manqué, en grande partie en 67. Et il se dit, mais la meilleure personne pour aller chercher ce vote-là, ça serait qui? Ça serait Médéric Langteau, mon ancien rival. Alors, on se demande pourquoi il a fait ça. La réponse facile, c'est de dire que Langteau était ruiné, avait besoin d'argent. C'est peut-être tout simplement ça qui s'est passé. Alors, il appuie Cartier à l'élection. Et ce qui est un peu ironique, c'est que l'adversaire de Cartier, c'est Louis-Amable Jeté, qui était un ancien de l'Union nationale, un ancien de la banque de Langteau. Il a dû se sentir trahi. Et voilà, c'est la trahison ultime. Et Cartier perd. Donc Langteau a fait tout ça pour rien. Et surtout du côté des perdants. Ouais. Et là, ben là c'est la déchéance absolue. Là, je veux dire, il n'y a plus personne qui l'écoute. Il est allé jusqu'au bout de la trahison. Là. Ouais.
Donc, et donc, dans les dernières cinq années de sa vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on sait des dernières années de sa vie? Un jeune homme dans la trentaine. Mais qui... Alors, il s'exile encore aux États-Unis. Il repart aux États-Unis, peut-être pour se faire oublier, justement. Il repart et il revient, peut-être en 1874-75, il revient, mais là, il revient à Hull. Il s'en va à Hull. Il y a un ami à lui qui lui dit, écoute, je peux te faire entrer comme sténographe à la Chambre des communes. Alors, il y a eu ce bon mot, un trait d'esprit. Il dit, je le savais bien que je finirais par entrer à la Chambre. mais là, en tant que sténographe. Et pendant quelques temps, ça va quand même assez bien pour lui à Hull. C'est comme s'il repartait à neuf dans un nouveau contexte. Il va acheter un journal. Il va s'impliquer en politique municipale. Il va devenir même l'avocat de la ville pendant un certain temps. Mais c'est comme si il est trop ambitieux, il veut trop, il se fait des ennemis assez rapidement, même au point où un jour, il y a des gens qui prennent sa presse à journal, la presse du journal, et la lancent dans la rivière des Outaouais. Alors, donc, il y a des ennemis. Et c'est comme si, il est épuisé, il est fatigué. Alors, il s'achète une terre à Lucerne, donc tout près de Aylmer. Et en fait, il ne mourra pas à Montréal, c'est là qu'il va mourir. Il va mourir à Aylmer, à Lucerne, à l'âge de 38 ans, en 1877. Donc, une fin assez triste, en fait. Mais est-ce que vous avez perçu quand même des héritiers, un héritage de Médéric Langteau? À l'époque du Canada français, plus. Bien, il paraît qu'il aurait rencontré Mercier au courrier de Saint-Hyacinthe quand il était à Saint-Hyacinthe. Oui, ils ont été presque en même temps. C'est ça. Donc, et puis, dans certains discours de Mercier, selon certains, on peut voir certains accents qui pourraient trouver leur origine dans les idées de Langteau. Mais je pense que son plus grand héritage, c'est justement d'avoir mis la table pour le développement du mouvement coopératiste au Québec, que les travailleurs se regroupent. Pour le bien commun. Ça, je pense qu'il a fait beaucoup pour populariser cette idée et donc s'inspirer des réussites des mouvements associationnistes et mutualistes français et britanniques. Pour conclure cet entretien, quand vous avez commencé à écrire votre roman, est-ce que c'était clair pour vous qu'il allait être un personnage pivot ou c'est en force de lire sur lui que vous avez dit, mais voyons, comment se fait qu'on ne le connaît pas? Est-ce que vous étiez un peu donné cette mission de nous le faire redécouvrir? Oui, je trouvais vraiment intéressant de le ramener un peu à l'avant-plan. C'est un personnage méconnu. Et dans mon roman, je parle de Tocqueville, mais je parle aussi de Beaumont, qui est un personnage aussi un peu méconnu. Donc, j'aime ça, moi, ramener un peu des oubliés de l'histoire. Puis, je pense qu'il gagne à être connu comme personnage. Donc, plus je lisais sur lui, plus j'avais envie de le mettre en scène. J'ai dû un peu me retenir, parce que c'est un roman qui se passe à deux époques. Ouais, donc, je ne peux pas en faire le héros du livre. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le mettre en scène, puis à le ramener un peu dans l'espace public, en fait, pour qu'on parle un peu de lui. Oui. Merci beaucoup, Mathieu. Thomas, merci beaucoup pour cet entretien.